ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit: prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Pendant qu'il mangeait, profondément attristé, et chacun se mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? Et il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur qui le livrait, prit la parole et dit: Est-ce moi, ami? Jésus lui répondit: Tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: De même la coupe après le souper et la leur donna en disant: Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour un grand nombre en rémission des péchés. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation: lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit: Les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements,
et il prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et à les essuyer avec un linge, avec le linge dont il était saint.